Là, je suis en train de monter sur la piste verte, mais tout à l'heure, on ira juste à côté sur la grande piste qui fait 620 mètres de long. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va faire du sport. De ski intérieur. Il n'y en a qu'une en France et c'est à Amnéville en Moselle qu'elle se trouve. Elle a été créée en 2005. C'est là que viennent s'entraîner les skieurs, mais aussi les surfeurs, les scolaires, les personnes en situation de handicap et même des champions. On commencera en Lorraine à la station de Rougegazon pour suivre un trail dans la neige qui a lieu chaque année. Puis nous irons à la rencontre de jeunes passionnés de saut à ski dans les Hauts-de-Vosges. On finira à Sainte-Marie-aux-Mines où l'on plongera dans les profondeurs des mines d'argent. Allez, c'est parti! Monsieur, bonjour, excusez-moi, je peux vous demander pourquoi vous venez ici? Pour skier? Oui. Mais pourquoi ici, dans cette piste intérieure? Parce qu'on peut skier toute l'année ici. On vient de septembre à décembre, c'est-à-dire jusqu'au moment où les pistes sont ouvertes dans les Vosges. On dit aux gens qu'on fait du ski de fond ici, on nous dit c'est pas possible. Si, si, c'est formidable ici. Bien là, vous avez vu ce matin, c'est presque essentiellement des gens qui ont débuté ici depuis quelques mois. C'est un magnifique outil pour, comme dirait un champion que je connais, pour s'affûter. Après, en pleine nature, ça va tout seul. Et du coup, vous venez tous les ans? Ah oui, bien sûr. Il y a de la neige, alors autant en profiter. Exactement. Ah ben voilà. Eh bien Jean-Marc, ils ont l'air d'apprécier vos visiteurs là, de skier dans ce snow-hall. Ah ben, je pense que c'est le plaisir de beaucoup. Vous avez vu les enfants à l'instant, on a vu nos fondeurs tout à l'heure. On débute très tôt le matin pour permettre à tous ceux qui sont amoureux du ski et de toutes les disciplines d'être représentés ici. Ici c'est un petit peu votre deuxième maison, hein. On se croirait dans un igloo bien frais. Oui, on parle du plus grand frigo de France. Bon, c'est vrai qu'on y produit du froid toute l'année, oui. Et de la neige, comme vous le voyez en ce moment. D'ailleurs, je vais essayer d'en prendre, c'est pas facile avec les chaussures de ski, mais... Regardez, là, c'est... La neige de culture. La neige de culture, c'est une espèce de poudreuse un peu moins moelleuse. Oui, ouais, bien sûr. Et pour faire ça, il faut quand même qu'il y ait moins 3 degrés constamment. Oui, complètement. Ouais. Et la profondeur, c'est, vous disiez, près de 80 cm. Hein, 80 à 120 cm de neige selon les endroits et la façon dont on travaille la neige avec la dameuse. C'est la seule piste de ski intérieur de France. Complètement, avec ses 620 mètres, 90 mètres de dénivelé et 35 mètres de large, qui en fait l'une des plus longues pistes du monde, en tout cas à dénivelé constant, qui est très appréciée des sportifs de haut niveau.
pour créer cet endroit, il a fallu être un petit peu fou. Il a fallu avoir une idée visionnaire et ça a été l'idée de Jean Kiffer, hein, le maire de l'époque. Expliquez-nous comment est né ce projet. Au moment de la reconversion de la sidérurgie vers d'autres horizons, le docteur Kiffer a choisi d'orienter la ville sur le schéma touristique. Et cet établissement est le dernier d'ampleur qui a été construit sur une friche industrielle qui était ce terril, ce crassier, hein, qu'on appelle chez nous. Et profitant de cette pente, de décider de l'équiper de cette piste de ski en rendant accessible le ski au plus grand nombre. Alors il y a des jeunes qui viennent, des scolaires qui se forment, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap aussi qui peuvent venir s'amuser ici. Et puis il y a des champions, c'est important de le dire parce qu'il y a des records qui ont été battus ici d'ailleurs. Nous avons organisé notamment la première Coupe du Monde internationale des masters qui a été une véritable réussite. On a aussi accueilli Yann Farrell qui a battu le record du monde de vitesse sur cette piste. Je pense que c'est une fierté nationale. Le revers de la médaille, c'est que comme c'est un maire qui a eu l'idée, forcément ça a été fait sur des fonds publics. À un moment donné, il y a eu des déficits, ça a été compliqué. La Cour des comptes a aussi épinglé en disant « Ouh là là, il faut le fermer ». Et malgré tout, vous êtes encore là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Amnéville s'est ouvert sur le monde avec tous les partenaires qui se sont rassemblés autour d'une piste qu'on considère désormais comme iconique. Ouais. Et quand on sait qu'on est la seule piste de ski indoor de France et l'une des plus fréquentées d'Europe et du monde, on a choisi de faire vivre cet établissement et de pérenniser le potentiel de cette piste qui doit se faire connaître au travers de la France tout entière et de l'Europe. Alors on parlait de records battus, mais il y en a d'autres, hein, des records à battre, comme à Saint-Maurice-sur-Moselle. Bertrand et Ludivine organisent depuis quelques années le Trail Blanc des Vosges, un événement unique dans le massif. Pourquoi un trail dans les Vosges? D'abord, moi je suis fondamentalement lorrain. Et puis j'adore les Vosges, ma femme est vosgienne, elle était aussi à l'origine du trail. Et puis c'est surtout un formidable terrain de jeu pour le trail, justement. On a décidé de lancer le Trail Blanc des Vosges dans le massif des Vosges puisqu'il n'y avait pas ce genre de course ici. Ça existait dans les Alpes, notamment à Serre Chevalier qui était précurseur dans le Trail Blanc. Et voilà, donc la première édition à Gérardmer où on avait eu 300 coureurs. Et ensuite, la course s'est déplacée à Rougegazon où nous avons été vraiment bien accueillis ici pour faire maintenant de cet événement un grand événement donc, du massif vosgien. Il y a 1300 participants aujourd'hui et 2500 au total sur le week-end. Et les gens, je crois, viennent avec la bonne humeur et sont ravis d'être là ce week-end. Alors, ça va pas être compliqué. On va seulement contrôler sa vitesse. Donc, prends le temps de remonter, laisse venir. Laisse aller un petit peu sur la glace, sans forcer. On va seulement prendre le temps de tourner, petit à petit. On s'aperçoit que les skis ont le temps de rester parallèles. Et tout va bien. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est bien sûr de s'amuser hein, sur la piste. Mais son vrai intérêt au snowball, c'est de pouvoir apprendre à y skier. D'ailleurs, hop là, très peu de temps après sa création, il y a l'école de ski française qui s'est installée ici. Et il y a 3 moniteurs à l'année qui donnent des cours. Alors Julien, comment je m'en sors? Pas mal, mais il manque vraiment pas grand-chose pour que tu arrives à faire le chasse-neige. Vous êtes né en montagne, dans le Massif Central, dans les Cévennes, c'est bien ça? C'est juste, ouais. Et ensuite, vous avez travaillé en Savoie, et vous vous retrouvez ici, dans la seule piste de ski intérieur de France. Pas trop dur pour les paysages? Professionnellement parlant, ouais. C'est pas plus dur qu'ailleurs parce que il suffit d'avoir de la neige et des skis et une personne qui veuille apprendre. Et nous, on transmet notre passion et on oublie un peu le toit, les murs en fait. On se concentre vraiment sur la personne et sur sa façon de skier. Qui est intéressé par les cours ici? Alors on a plusieurs profils différents. On a des enfants qui viennent découvrir le ski parce que les parents voudraient aller au ski parce que ce sont des skieurs eux-mêmes. Ils s'assurent que les enfants aiment ça, adhèrent à ça.
souvent ces enfants-là, quand ils sont partis au ski avec leurs parents dans l'hiver, ça s'est souvent très bien passé. Ils sont demandeurs, ils veulent continuer. Et les parents, ben, du coup, les ramènent chez nous et on continue à leur faire passer les étoiles, on les fait évoluer et profiter d'autant plus pendant les vacances. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un public luxembourgeois. Luxembourg, c'est à 45 minutes d'ici et qui est un public international. Alors il y a beaucoup d'employés dans les grands sièges sociaux qui sont tous basés au Luxembourg essentiellement. On travaille avec des Grecs, des Italiens, des Anglais, on a même des Américains. Grâce à ce lieu, il y a une section ski alpin qui s'est mise en place au collège d'Amnéville. C'est incroyable ça. C'est une section sport qui est aménagée dans le temps scolaire. Ça a été créé assez rapidement après la création du Snowball parce que cette entité était assez unique en France. Donc ça permettait d'entraîner des jeunes sans être à la montagne. Donc ils se sont inscrits dans ce cursus-là et ça leur permet d'ouvrir un peu les portes d'une culture montagne qui n'est pas que l'enseignement, qui n'est pas que la compétition de haut niveau, mais qui est aussi les pisteurs secouristes et tous les métiers qui sont liés à cette montagne-là. Les jeunes d'Amnéville se forment, font du ski, c'est devenu une seconde nature. Et bien dans les Hauts-de-Vosges, une discipline de prédilection, c'est le saut à ski. Tout petit déjà, certains empruntent des tremplins de 65 mètres sous l'œil avisé de Jean-Louis, leur entraîneur. Ah, vous faites ça sur 10-15 mètres. Monte bien les genoux, c'est pas facile, ça flambe dans la neige, il faut faire avec. Tous les jours avec eux, c'est presque comme des petits frères, entre guillemets. Je les vois presque 200 jours par an. Puis de leur inculquer aussi mon amour de ce sport, et puis de les voir progresser, c'est vrai que c'est vraiment très très bien et très satisfaisant pour moi. Je suis plutôt spectateur à ce moment-là du saut. Je regarde ce qu'ils vont faire, s'ils écoutent la consigne que je leur ai donnée ou pas, s'il faut adapter encore le discours par rapport au saut précédent ou est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils doivent travailler. Nous, on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Donc oui, effectivement, ils ont quand même pas mal l'habitude. C'est des gamins qui sautent depuis au moins 4 ans maintenant. Donc... puis ils pratiquent pas que le saut, on fait beaucoup de ski de fond, on fait beaucoup de ski alpin aussi. Donc dans l'ensemble, c'est quand même des bons skieurs. C'est sympa hein, de s'amuser dans la neige comme ça, dans cette piste de ski intérieur. Encore faut-il la fabriquer, cette neige. Et bien ça, ben c'est la partie de Jean-Marie. Hein, Jean-Marie, c'est vous, le roi de la neige ici. Bah oui, avec mon équipe, on arrive à fabriquer la quantité de neige qu'on a besoin pour tenir la saison. D'ailleurs, vous voyez les canons à neige aujourd'hui qui sont en fonctionnement. Donc c'est ce qu'on voit là. Hein. On voit la neige qui sort, c'est ces espèces de grands tubes. Voilà, c'est des canons à neige qui sont disposés sur la piste où on va envoyer de l'air et de l'eau pulvérisée dans une ambiance froide. Avec le temps d'arriver au sol, ben ça va geler et ça va faire notre neige de culture. Il y en a une vingtaine, je crois, sur le parcours. C'est ça, 15 sur la piste principale et 5 sur la piste débutante. On essaie de faire une semaine complète, le temps de refroidir l'ensemble du dôme
ça nous fait faire des économies et on envoie le maximum de neige sur une semaine. Là, nous sommes vraiment dans les coulisses du Snowl, dans l'espace location et entretien. Et c'est ici qu'on retrouve Laurent. Laurent, il paraît qu'il faut qu'on vous appelle Mox. On peut m'appeler Mox, oui, c'est comme ça que les riders m'appellent. Alors, le fartage, c'est quoi spécialement là? C'est préparer la planche. Voilà, c'est préparer la planche pour avoir un bon confort de glisse. D'accord, voilà. Le fart, c'est une matière. Alors, c'est une matière, je vais vous montrer. Alors, vous avez différentes matières. Donc là, vous pouvez regarder, là, vous l'avez ce qu'on appelle en lingot ou en pain. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, voilà. En pain, là, on a même du mauve. Ah oui, voilà. Et on utilise des couleurs en fonction de quoi? En fonction de la température de la neige. Ah, d'accord. Alors, c'est assez bizarre parce qu'il y a bien sûr une température de neige qui va de plus 5 à moins 15 degrés. Et là, ce que je vois dans ce seau, c'est du fart aussi? Alors, c'est du fart, mais sous une différente forme. C'est-à-dire que là, il est en paillettes. Voilà. D'accord. Et donc ça, comment on l'utilise? Alors, le fart en paillettes, vous l'étalez simplement sur le surf. Je le fais là? Vous pouvez le faire, allez-y. Allez, c'est parti. Comme ça, sur tout oui, le long? Oui, voilà, tout le long. Il faut en mettre plus? Non, là, c'est très très bien, c'est très très bien. Par contre, celui-là, il faut le faire fondre directement sur le fer à repasser. Ah oui? Alors là, on a un fer à repasser, hein, comme le fer à repasser de mamie. Hein. Ah, donc allez-y, alors, voilà. On le fait fondre? On le fait fondre. Et ça coule directement, là? Et là, ça va couler directement, incroyable. Vous voyez? Incroyable. Voilà. Alors, il faut l'étaler, bien sûr, tout le long du snowboard. Hein. Ah, je vous laisse faire, là. Voilà, donc vous pouvez l'enlever. Voilà. Hein. Donc, je récupère le pain, voilà. Et à ce moment-là, avec le fer à repasser, toujours à 130 degrés, pas plus. Ouais. N'oublions pas que la semelle, elle est en plastique. Ouais. Hein, donc, au-dessus, ça peut faire fondre. Et à ce moment-là, comme les chemises, comme les caleçons, on repasse. Et vous avez le fart qui s'étale sur tout le snowboard. Et ça permet de faire bien glisser la planche. En fait, en réalité, le fart, il a deux fonctions. La première fonction, c'est d'hydrater la semelle. D'accord. Parce qu'une semelle, quand il n'y a plus de fart dessus, elle devient blanche et elle dessèche. Mm-hmm. Donc elle devient poreuse et l'eau peut pénétrer à l'intérieur. Mm. Et la deuxième fonction, donc dans le fart, il y a des produits chimiques. Donc au départ, hein, on voit bien que ça ressemble à de la bougie, mais il y a des produits chimiques. La cire. Voilà. Qui permettent de transformer la neige en fait en gouttelettes d'eau. D'accord. Et c'est pas ça qui fait glisser, c'est le fait que les gouttelettes d'eau fonctionnent comme un roulement à billes. Et vous glissez, voilà. Donc si vous n'avez pas le bon fart, l'effet chimique ne se fera pas. Et du coup, vous avez l'impression de freiner. Donc j'ai bien pensé à vous, Stéphanie. Je vous ai préparé avec les fixations bien roses. Vous êtes en train de dire que c'est pour moi, là? Voilà, ça c'est votre snowboard. Ah, très bien. Donc on vous le montre, hein. Voilà. Ah bah il est très joli. Oui, après, bon, faut glisser, quoi. Après, faut glisser. On verra ça alors tout à l'heure. Je vais vous laisser finir. Voilà. Très bien, et bien, avant d'aller surfer, alors moi je vous propose une petite plongée dans les profondeurs des mines d'argent de Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace avec de jeunes spéléologues. C'est parti. Nous, notre terrain de jeu, il va être juste dans la grande colonne qui est là, qui fait 100 mètres de haut. Et nous, on va juste se promener sur cette petite partie-là de la grande colonne. Mais effectivement, même si c'est tout petit, ça fait quand même plus de 20 mètres de haut et c'est quand même relativement impressionnant déjà. Cette grande colonne a été entièrement vidée au XVIe siècle, au marteau et au burin. Alors évidemment, les mineurs à l'époque ne se déplaçaient pas comme nous avec des baudriers et des cordes. Tout ça était entièrement boisé et ils se déplaçaient sur des échafaudages. Ok. Ça va, Marie? Ouais, ça va. Ok. Au bout des filons, il nous reste toujours quelques traces. Ici, on a une magnifique trace de chalcopyrite qui va s'oxyder et qui va transformer ces calcaires avec ce beau bleu qui est en fait l'oxydation de cuivre. Parce que dans ce filon, nous avions du cuivre,
du plomb, de l'arsenic et de l'argent. Petit passage un peu difficile où la margelle, elle a plus que la largeur d'un pied. Vas-y Marie, je te suis. Voilà. C'est bon. Super. Attention à la douche. Je m'assois? Assis-toi dans ton baudrier et laisse-toi aller, Marie. Ok. Vas-y, c'est parti. C'est super bon. Waouh. Ok. Ok. C'est bon. Tu te mets debout, tu me regardes, tu sois bien stable et tu vas partir en rappel. D'accord. Alors, le rappel, ça consiste à descendre le long d'une corde. Comme Lara Croft, c'est-à-dire les comme pieds. Dans les films, ouais. Voilà, comme dans les films, les pieds comme ça, en arrière, et tu te laisses glisser en arrière. Allez, c'est parti. Et ça, c'est combien de mètres de haut? Ça fait 17 mètres de haut, à partir de là. Ouais, ouais, laisse-toi guider par la corde. Ouais, si la corde, elle t'emmène là, tu te laisses aller là. Très bien. Bien les pieds sur la paroi. Très bien, Marie. Voilà. Voilà. Et presque en bas. Voilà. Super, Marie. Là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un fauteuil, mais pas n'importe lequel. C'est un fauteuil conçu spécialement pour les personnes en situation de handicap. Alors moi, pour descendre, j'ai de la chance, je suis aidée de Julien. Merci Julien. Mais vous, Yannick, vous êtes autonome, vous y allez tout seul. Voilà, il y a juste la valise qui m'accompagne au cas où si je tombe là par terre, mais autrement, non, je skie tout seul. Ça vous fait jamais peur? Si, mais c'est pour ça que je le fais. Il y a des bonnes sensations? Toujours, ouais, beaucoup. Ah, vous allez me faire découvrir ça? On est parti? C'est parti! Sensation extra, ça, non? Ouais, ça va! Ça fait peur quand même, hein! Wouh! Ça va super vite! Oh, oh. Que d'émotion! On y retourne? C'est parti! Oh, c'est parti! Ça, quand même, c'est grâce à vous que ça existe, hein, Dominique. Si Yannick et les autres peuvent s'amuser sur les pistes, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez créé une association. Oui, c'est ça. Enfance, loisirs, handicap. Ouais. C'était peu après la naissance du Snow Hall, en fait. J'étais, comme tout le monde, client du Snow Hall. Je suis venu voir un peu ce qui s'est passé. Et puis, j'ai constaté très rapidement qu'il n'y avait pas vraiment d'accessibilité. Puis voilà, je me suis décidé à mettre ça en place et essayer d'améliorer le statut du Snow Hall pour qu'il soit accessible à tous. Aujourd'hui, dans l'association, il y a plus de 500 adhérents. Plus de 500 adhérents. Une grande majorité, ce sont des établissements spécialisés qui viennent dans le cadre des activités quotidiennes. Donc, ils ont découvert ça lorsqu'on a créé l'association. Et puis voilà, c'est une activité association qu'ils n'ont pas forcément ailleurs. Et ça marche très, très bien. Vous avez l'impression que ça change? Ces personnes-là, ça leur donne du peps, En tout cas, ça leur donne le sourire, ça leur donne des sensations. Il n'y a pas que le fauteuil, quoi. Il y a le ski debout aussi, il y a des fissures visuelles, c'est encore une autre de nos missions. Il y a du snowboard également, du hors snowboard. Sur la neige, il y a pas mal d'activités. On essaie de développer un maximum d'activités sur la neige. Ah
bah ça tombe bien, Simon, je vous attendais, moi j'ai essayé, c'est une horreur, hein. J'arrive pas du tout. Ça s'est pas bien passé? Non, pas très bien, mais en tout cas, vous, je vous regarde, je vous admire. Hein. Bah il y a des jours avec. C'est une vocation pour vous qui est née ici. Oui, c'est ça, exactement. On est né dans la région, on a découvert le snow le plus grand, pas forcément petit, et on a tout de suite accroché à la neige en fait. Alors vous avez créé une association qui s'appelle Butterknife. Vous êtes une vingtaine aujourd'hui là-dedans. Oui, c'est ça. C'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, c'est de promouvoir le snowboard freestyle en fait dans la région, parce que c'est un sport qui n'est pas forcément très répandu ici. Il n'y a pas de structure qui permette, que ce soit aux jeunes ou aux moins jeunes, de pouvoir s'entraîner et de s'entraîner sur leur passion. D'ailleurs, il y a un jeune de 15 ans, là, Raphaël, oui, qui va sûrement être un futur champion. C'est ça, Raphaël, qui passe les championnats de France en fin d'année ou début de l'année prochaine et qui vient d'avoir ses 15 ans il y a 2 mois. C'est sur cette belle note qu'on finit cette émission. Si vous aussi, vous avez des passions à nous communiquer, eh bien, dites-le nous, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche. On viendra vous voir. La glisse, c'est le bonheur. Alors pourquoi chercher plus loin? À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous suis, je descends comme ça. On va se faire harakiri là. Comment? On va se faire harakiri.